je suis Tristel Mwanda Musuki, originaire du Congo Brazzaville, lauréat du premier prix Martial Ecart catégorie université. Je vais donc vous lire le texte qui a remporté le premier prix catégorie université. Lueur crépusculaire. J'ai vu au-delà des souffrances mes veilles nuits qui demeurent ma grande marche. J'ai vu au-delà des souffrances les yeux qui ont trahi l'histoire de l'humanité. Naître à nouveau est devenu un rêve. Ce qui demeure lumière, c'est écrire. Écrire pour lutter contre les infections perlières qui endeuillent nos cœurs. Écrire pour lutter contre la faim. Écrire pour communier l'éternité. Naître à nouveau est devenu un rêve. Ce qui demeure lumière, c'est écrire. Au commencement était le Verbe. Il est la magie du chant. Malgré les tempêtes qui ont blessé mon âme, malgré la négligence de l'homme, malgré la trahison de la nuit, ce qui demeure lumière, c'est écrire. Écrire pour blâmer la méchanceté des ténèbres, écrire pour aller à la rencontre de Dieu. Au bout des nuits, il y a des verbes qui nourrissent, qui mûrissent notre plus long chemin vers la liberté. Il y a des verbes qui nourrissent les seins des femmes, car vivre, c'est écrire l'homme. Vivre, c'est écrire l'histoire. Vivre, c'est écrire la fertilité de la rosée. Au bout des nuits, il y a les chemins d'amour. Il y a lueur du crépuscule. Il y a des idées vierges. Ce qui demeure lumière, c'est écrire. Matinons nos regards, matinons nos écrits, matinons nos douleurs, matinons nos voix. Au-delà du rêve, le soleil sera témoin de nos chemins. Le soleil écrira sous nos mains notre soif d'être. Au-delà du rêve, je revois sur mon chemin les empreintes de lumière et je n'oublie pas qu'écrire ensemble, c'est nourrir la foi des hommes. Qu'écrire ensemble, c'est éteindre les éclairs des rêves tonnerres. Qu'écrire ensemble, c'est mûrir les épines de demain. Avant que le jour ferme ses pages, nous fleurons ensemble notre cri, amour, partage. Nayo ya simo kipangu medinzela nayo jan perno.